Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti. Vous êtes sur la chaîne Les Jeux du Cygne et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Préserve. Cette fois-ci, on va aller jouer en mode puzzle. Allons tout de suite voir de quoi il s'agit. Hop! Et voilà, donc on est dans le mode continental. Sur le biome continental et on va du coup tester le mode puzzle. Alors du coup on peut voir que j'en ai déjà fait un petit nombre, mais on va les faire ensemble. C'est parti. Donc on a les petits types au chargement. Dans le mode puzzle, tout est question d'optimiser vos positionnements. Vous devez marquer le nombre de points requis avec un ensemble de cartes déterminées. Vous ne pourrez pas agrandir la carte ni obtenir de nouvelles cartes de jeu. C'est parti! Donc, première carte qu'on nous donne. On nous donne 12 arbres avec 3 animaux qui vont dans la forêt. Et on nous donne 3 cartes pour arroser une tuile unique. Alors, la question que je me pose, 1, 2, 3, 4, 5. Imaginons qu'on arrose ici 6, 7. 8, 9, 10, 11 et 12. Bah allons-y, faisons les formes un peu marrantes. Voilà, donc on a notre forêt. Et on peut mettre nos trois animaux dedans. On valide. Et on a terminé le niveau. On peut passer au suivant. Alors, le suivant, on a de la même manière 12 arbres. Et cette fois-ci, on a seulement 3 biches. Et on a une carte qui nous permet d'arroser 7 dalles. Alors, je dirais de manière à peu près évidente, ça va être par ici, puisque c'est là qu'il y a le plus de vert. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je compte 13. Je sais pas si je compte bien. Mais ça veut dire que on peut avoir une solution qui n'est pas forcément unique, puisque je peux choisir de mettre mon arbre ici ou de le mettre ailleurs. Mais en termes de combinaison, c'est-à-dire il nous faut un biome de 12 avec 3 animaux, ça c'est unique. On a terminé le niveau, on a sauvé la biodiversité. On est parti pour le troisième. Donc le troisième nous donne un lac et une toute petite carte comme ça. Alors moi ce que je vois tout de suite c'est qu'ici c'est une montagne et les montagnes on peut pas... Déjà on peut pas les arroser... Enfin on peut les arroser ici mais ça change rien puisqu'en fait on peut pas planter dessus ici. Donc moi ce que je verrais bien c'est mettre mon lac là. Comme ça, j'arrose par magie. Et ici, est-ce que ça fait bien 12? Et la réponse est oui, ça fait bien 12. On peut mettre nos petites abeilles. Et on peut valider notre partie. On peut donc passer au puzzle suivant. Alors, le puzzle suivant. Donc, c'est un puzzle déjà. On voit qu'on a du marécage. On a 4 biomes de 6 et 4 animaux de chaque. Ok. On a 4 lacs pour arroser. Alors ce qui paraît plus ou moins évident, c'est
poser mes lacs comme ça. Comme ça, j'arrose tout. Ici, je peux mettre qu'une montagne. Sachant que les montagnes, on pourra pas les mettre en bas. Donc, je vais les mettre un peu en hauteur. Le marécage, c'est pareil. On peut le mettre que en bas. Donc, le marécage... C'est pareil dans l'autre sens, du coup. Voilà. Et ensuite, bah, peu importe. Que ce soit les fleurs ou les champs de blé, l'élévation du terrain n'a pas d'importance. Tout ce qui est important, c'est qu'on est bien. Le 6 en continu. Donc, un canard, deux canards. Et allons voir un peu ces canards. Un canard, deux canards. Un aigle. Deux aigles. Et un aigle. Deux aigles. Ce qui nous valide notre niveau. Alors, du coup, on se retrouve ici. On a 2 × 12. Pour la pierre et pour la forêt. Donc on va probablement faire un biome de montagne et un biome de forêt. J'ai 3 animaux différents qui peuvent aller dans la forêt. Donc je vais probablement du coup garder une chèvre et 2 loups pour la montagne. Et du coup j'ai de quoi arroser et j'ai un lac. Alors, je vais mettre les pierres sur les endroits où on peut mettre que des pierres. Ça va déjà un petit peu me limiter, on va dire. Sachant que, ouais, en termes de hauteur, on est encore pas mal. Hein. Les arbres, on pourra les mettre partout. Donc, bah... voilà, là ça fait 12. Du coup, moi je dirais un lac ici, un petit coup d'eau ici, et on va arroser un petit coup d'eau dans les montagnes pour nous donner les petits points de la montagne, tout simplement. Et du coup, normalement, on a ce qu'il faut. D'ailleurs, je vais remettre ça. Je préfère l'avoir. Ça permet d'avoir le compte qui s'affiche, ce qui est assez pratique. Alors on a dit, on met un sanglier, une biche et un loup. Et ensuite il nous reste 2 loups et une chèvre. Et on a fini. On peut prendre des captures, hein. On peut avoir un mode photo. Hein. Je ne l'ai pas du tout montré, mais c'est vrai qu'on peut... Hop, on passe au niveau suivant. Alors, on a un désert complètement aride. On a 12 arbres et 3 loups. Ok, alors, ici on a une rivière. La spécificité de la rivière dans le biome continental, c'est qu'elle peut commencer. Elle est obligée, elle doit commencer sur une montagne. Donc ça tombe bien, on a une montagne. Et elle va irriguer du coup les dalles continues. Du coup, nous, il va nous falloir 12 dalles arrosées pour pouvoir mettre nos loups. Ça devrait se faire assez facilement. Par exemple, si je fais ça. J'en ai déjà un petit paquet. Et si je reviens, imaginons comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop, donc je valide mon fleuve comme ça. Ah ! Oups !
C'était pas une bonne idée. On voit que je vais compter celle-ci et que du coup, non. Je vais annuler ma dernière action et recommencer. Donc, je recommence, je l'annule. On part à peu près de la même manière. Celle-ci va être arrosée. Et j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout. Voilà, comme ça. Et là, on devrait être bon. Donc, 1, 2, 3, 4, je vais le laisser, 5, ça me l'a pas compté. J'ai un petit bug d'affichage là, oui j'ai complètement un petit bug d'affichage, c'est pas grave. Mes loups, eux, sont bien là. Ah! Ceci est intéressant. Il manque 7 points. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai fait que j'aurais pu faire différemment. Ah, on va recommencer le niveau. Oui, on va recommencer le niveau. Ah, intéressant, intéressant. Comment je vais pouvoir faire ça? Est-ce que, par exemple, quelque chose comme ça va me donner plus de points? Non, ça me donne pas plus de points, mais en fait, je me rends compte que les 5 points qui manquent, bah, tout simplement, c'est le fleuve qui n'est pas assez long. Et on peut pas défaire le fleuve avec ça, donc on va recommencer de nouveau le niveau. Maintenant qu'on a à peu près l'astuce, donc, on fait un grand serpentin en se laissant de la place. Et on a dit, on prend 5 tuiles de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Ça me fait du coup 53 points rien qu'avec mon eau. Et du coup, on rajoute les trois loups, et on arrive bien au bon niveau. Donc on voit bien que ça se corse, hein. On voit bien que là, il fallait utiliser toutes les tuiles pour pouvoir y arriver. On valide, et on passe au suivant. Alors, le suivant, on a 12 de blé, 3 abeilles, et seulement 4 pour arroser. Wow! Ça veut dire que pour arriver à 12, il va falloir ruser. Et peut-être qu'on devra faire 2 environnements plutôt qu'un seul grand, mais on va regarder ça. Alors, si j'arrose ici, ça m'en fait 4, 5. Je peux arroser ici, ça fait 6, 7. Je peux arroser là, 8, 9. Ouais, il faut que je fasse une combinaison en fait avec celle-là. Trouver la bonne. Celle-ci me paraît indispensable. Ça fait déjà 5. Si je me mets là, ça fait 6 et 7. J'arrose, ça fait 8, ça fait 9.
Et du coup, c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, même si j'arrose, je serai pas à 12. Ok, même si j'arrive rose, je serai pas à 12 parce que je serai à 11 en fait. Et du coup, je le montre pour la preuve, mais. Voilà, je suis coincé. Je suis coincé. Ok, donc on va recommencer le niveau. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt que j'arrose par là, par exemple? Est-ce que je peux obtenir quelque chose d'intelligent par ici? Si j'arrose ici, si c'est toujours tentant, hein. Ici c'est tentant, ça fait toujours 5. Je pourrais arroser par ici, par exemple, aussi. Ça fait 5 également. Et est-ce que je peux utiliser mes deux pour faire rejoindre complètement? Alors, je suis pas sûre que niveau élévation de ça. Si tu vas me dire ça. Ça va partout, ça. Donc, ça, on pourrait arroser là. Et arroser là. Et du coup, normalement, si je sais compter, cette fois-ci, ça fera 12. Ce qui est parfait, on va pouvoir poser nos trois abeilles. Et on arrive à 88 points sur 88. C'est exactement ce qu'on voulait. On va donc passer au niveau d'après. Alors, ok, on a une grande carte avec des vides. Ok, on a 12 de marais, 12 de montagnes et 12 de forêts. On a de quoi mettre un petit peu de tout. Mais faudra voir comment. À mon avis, ça va être ça dans la montagne, ça dans la forêt, ça dans le marécage. On a de quoi arroser. Alors, ma forêt, ma montagne, est-ce que je peux, par exemple, je peux la mettre par là? Oui, je peux la mettre par là. Parce que du coup, ici, on a 4 montagnes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait une zone continue. Voilà. N'oubliera pas d'arroser, bien évidemment. D'ailleurs, on va arroser. J'allais dire tout de suite, mais il faut que je le fasse de manière intelligente. Ce qui n'est pas toujours évident. Sachant que j'ai que deux tout seul, hein, donc. Si je fais là et là. Là, il n'y a pas de tuiles, donc je peux pas arroser au milieu. Là, c'est un peu nul comme rendement, mais c'est peut-être mieux que rien en fait. Ici, c'est à peu près évident. Je vois pas comment tout arroser avec ce que j'ai. Après, j'ai peut-être pas besoin de tout arroser. J'ai peut-être suffisamment. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, donc ça, j'ai pas forcément besoin de l'arroser de fou. Par contre. Niveau score, est-ce que ça va le faire? J'en sais rien. Je vais poser ma forêt. Je vais poser mon marécage aussi. Voir à quel endroit, par exemple, est-ce que là il faudra que j'arrose? Du coup, je suis à 9 ici, donc il m'en faut encore 3. Et je suis à 10 ici, donc il m'en faut encore 2. Donc je peux faire ça. Et puis je peux quand même faire ça parce que. Parce que c'est cool. Et du coup, je peux faire ça comme ça. Alors il m'en reste 1, donc je peux arroser ici. Qui va me faire un point de plus. C'est pas ouf, mais ça fait un point de plus. Quelque chose me dit que ça va pas le faire, donc j'ai dit. J'ai 3 sangliers. J'ai 3 loups. Et j'ai 3 aigles. Et il me manque 4 points. Donc effectivement, mon arrosage est pas bon. Puisque clairement, il me manque des choses. Bon, ben, on va recommencer. Ok, donc c'est au niveau de l'arrosage qu'il faut qu'on optimise ça un peu. Comment je peux optimiser ça? Sachant que j'ai vu que bah, je peux pas arroser au milieu, là, c'est tout nul. Et que j'ai que deux pour ça. Il faut que j'arrose au maximum. Et en même temps, les positions qui me permettent d'arroser au maximum, elles m'embêtent un peu. Genre, typiquement, arroser de la caillasse, ça va pas forcément être le trip. Mais je peux peut-être mettre mes cailloux un peu mieux. On a dit, on sait qu'on va les mettre là. Ici, on a dit, ça fait 6 plus un 7 et un 8. Donc 4 plus 8, ça fait 12. Et bah c'est complètement isolé du reste. Donc je vois pas comment faire mieux là-dessus. Alors, est-ce que, comment je peux faire ça mieux? Sachant que du coup, j'ai vu que c'était pas obligatoire de tout arroser. Ici, c'est pas mal. Je pourrais faire ça et peut-être ça. Si je fais ça. Si je fais ça. Il faut que j'arrose ces deux-là pour rejoindre. Est-ce que ça va me permettre de faire quelque chose d'intelligent? Ça veut dire que ma forêt est plus ou moins obligée d'être comme ça. Et que. Il me manque. 1 pour ça.
Donc c'est toujours pas une bonne idée. Je vais changer de point de vue. Allez. Ça va peut-être m'ouvrir des perspectives, j'en doute, mais... Il faut que j'optimise mon arrosage. Ça, c'est optimisé. Ça veut dire que j'arrose 5. Ce qui est pas mal. Ici, j'arrose que 4. Là, j'arrose 5. Non, j'arrose 5. J'arrose 5. C'est pas mal, 5. Alors, commençons à poser nos cailloux. Vu que ça, on a vu comment on allait les poser. Ensuite, est-ce que on peut faire quelque chose d'intelligent par ici? Ici, je pourrais en arroser 3. Ce qui est pas mal. Et pouvoir faire ma forêt, du coup. Par ici. C'est pas mal, du coup je peux arroser par exemple ici et là pour pouvoir finir ma forêt. En vrai j'aurais pu en mettre une ici aussi, mais c'est pas forcément très grave. On met les 3 sangliers ici, les 3 loups dans la forêt et les 3 aigles. Et il manque encore 10 points. Ah, punaise! Donc celui-là est bien moins évident qu'il n'y paraît. Il va peut-être falloir faire des plus petits habitats. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. On va arrêter l'épisode là. Et bah, tout simplement, je vais reprendre ce puzzle dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!